Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne de Puffin Strike, le spécialiste de la randonnée nautique en dériveur léger. Je suis ici en compagnie d'un Wayfarer de la première version, Mark One, un bateau emblématique pour un couple emblématique, parce que si vous avez fait une petite recherche sur Google, vous aurez vu que le Wayfarer Dinghy est particulièrement représenté avec le couple de Margaret et Frank Dye, un couple de globes flotteurs, de globes trotteurs, de globes trekkers qui ont navigué dans leurs jeunes temps et même dans leurs vieilles années, sur des Wayfarers essentiellement, et notamment sur la première version de Wayfarer pour Frank Dye, un Wayfarer en bois, avec le mât en bois, mais je pense même qu'il avait la baume en bois, un Wayfarer donc avec lequel il a fait des traversées océaniques depuis la Grande-Bretagne jusqu'à l'Islande ou la Norvège ou les îles Shetland, donc des tempêtes qui dépassaient les 9 Beauforts, des dématages en plein océan, et tout ça avec un petit dériveur. Donc pour, il n'y a pas de meilleure façon de démontrer les capacités marines et nautiques d'un bateau que de participer à des raids, des expéditions pareilles. Et c'était il y a plus de 60 ans, donc il faut imaginer le matériel de l'époque. Hein, ils portaient des cagoules, des passe-montagnes, il n'y avait pas tous ces Gore-Tex, etc. Hein, c'était vraiment l'idée d'avoir très froid. Surtout dans ces mers du Nord particulièrement violentes. Et voilà, ils faisaient tout, ils mangeaient, ils dormaient, ils buvaient dans ce petit espace. On trouve dans le Wayfarer, c'est la particularité, juste l'espace nécessaire pour se glisser sous les bancs et pour pouvoir dormir. On ne peut pas vraiment parler de confort, mais voilà, c'est quand même une possibilité. Alors, sans vouloir passer par des expéditions aussi extrêmes, vous pouvez utiliser le même modèle, soit en bois, soit dans les dernières versions plutôt en plastique. Et y mettre une tente par-dessus la baume, ce qui vous permet de camper ou de partir pour un pique-nique. Voilà, ces bateaux, vous les trouverez à la vente chez Puffin Strike, mais également en location. Plusieurs bateaux sont disponibles pour les essayer avant de les acheter ou tout simplement parce que vous préférez les louer plutôt que de les posséder. N'hésitez pas à nous appeler et à vous abonner à la chaîne Puffin Strike sur YouTube. Notre site internet également, www.puffin-trek.fr. À bientôt, au revoir.